Commençons cette revue à l'entrée de la région du Nord avec le parc national de la Bénouée. Vous pourrez y trouver des campements, des aires protégées, un ensemble de bâtiments et infrastructures anciens qui font partie de l'une des résidences du premier président de la République du Cameroun. Ce parc dispose de trois campements gérés par l'État. Le campement du Grand Capitaine de deux chambres, le campement de chasse du Bel Élan de deux chambres et le campement du Buffle Noir de 32 chambres respectivement situés dans les périphéries Est, Nord et au cœur du parc. Bien que cet espace doive son nom à la prépondérance des espèces qui peuplaient cette enceinte, le camp Buffle Noir accueille en plus la vie humaine et d'autres espèces animales. Outre les touristes et les voyageurs qui continuent de fréquenter cet espace, ces murs ont jadis abrité d'illustres personnalités locales, nationales et internationales, comme en témoigne son agréable plateau technique. Bien plus, les officines publiques du MINFOP et du MINTOUL y ont trouvé refuge. Le parc abrite aussi diverses espèces, des copses de buffons, des copses des fassas, des bubales, des boubales, des girafes, des hippopotames, de nombreux singes, des lions, des buffles, des élans de derby, dont certaines sont propices aux activités de chasse ou de pêche sportive dans des zones dédiées à cet effet. Ayant arpenté ces nombreux sentiers, vous pourrez vous ressourcer en écoutant le puissant et reposant bruit de l'eau et en regardant son scintillement en tout temps. Le parc de la Bénouée, un joyau rustique à visiter.